La vidéo va se découper en deux parts. Non, c'est pas la vidéo qui va se découper en deux parties, c'est que je suis obligé de faire deux vidéos. Parce que le tweet longer de mise au point de la Carmine Corp, de la K-Corp, de Kameto, de Shanky, qui apparemment quitte la K-Corp, mais au final, dans un alignement des planètes et un eurodatage malheureux, il quitte la K-Corp au moment où il y a 14 nanas qui le dénoncent. Je sais pas ce qui se passe en ce moment entre Solari, entre Vitality, entre la, la communauté Smash et tout ça. C'est un vrai bazar de ce côté-là. 14 nanas qui le dénoncent pour ses agissements. Il y a une toute longueur qu'on va lire. Et après, il y a euh, la réponse de Kameto aussi sur tout ce bazar. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. <coughs> <coughs> Donc d'abord, de la part de Shonen Boy qui dit « Mise au point, Carmincorp, Corp, Kamel, Shanky, mon explication. » On va lire son tweet langueur. « 5000 j'aime, 700 retweets, 1000 retweets, c'est un bordel monstrueux. Et si vous n'êtes pas dans le milieu, c'est extrêmement compliqué euh, à se repérer dedans. Vraiment. » D'ailleurs, il interpelle Gotaga en disant « D'ailleurs, toi, Gotaga, si tu décides de prendre la parole en live, tu devrais être capable de le faire ici, non Dis concrètement ce que tu sais, je vois pas en quoi ça pourrait être mal vu. Éclaire-nous, beau gosse, avais l'air bien renseigné pendant ton live. » Et il retweet ce que disait Shanky, donc c'est le principal euh, accusé. « Et pour clarifier le sujet à propos de mon départ de Vitality, parce que je vois beaucoup de rumeurs, mon contrat arrivé à sa fin, c'est tout. Il n'y a pas eu d'autre histoire. » « Frérot, pourquoi tu tweets tout ça en plein hum, en plein sum peut-être, alors que ça fait 100 ans qu'on attend des explications, mais tu choisis ce moment précis. Et donc le tweet langueur pour essayer d'y comprendre plus grand euh, pour essayer de plus rien comprendre. Il est vraiment tweet langué. Mise au point dans une Salam, je vais m'excuser sincèrement auprès des gens qui me soutiennent depuis le début. Voilà, je suis désolé parce que j'ai... à ah, l'écrit fait bizarre. Parce que j'ai perdu un moment de vue, l'essentiel, et je me suis rendu compte, euh, récemment, j'ai pendant une période ressenti comme un vide, et je ne me l'expliquais pas. Alhamdulillah, tout va bien. Santé, famille, proche, pro, etc. Je vais vous expliquer comment c'était euh, suite à l'incident du premier KCX, soit l'annonce du départ de Shanky. Je promets d'être le plus clair possible. Et le plus précis possible. Avant de commencer, personne ne m'a demandé ou forcé à faire ce tweet langueur. Je l'ai fait de moi-même, parce qu'en toute sincérité, avec vous, c'était dur à vivre, mais vous allez comprendre. Je vous juste... C'est un peu dur à lire. Je vous juste une promesse, je crois qu'il un mot. <coughs> Devant Dieu, que je ne mens pas, maintenant libre à vous de faire ce que vous voulez des informations, je vous laisse... Euh, je vous le dis sincèrement, ça m'a trop pesé émotionnellement et je déteste écrire des phrases de salope comme ça. Mais c'est la vie, j'accepte, j'avance. Ils ont le droit de dire salope, amdulilah, grâce à Dieu, sincérité. Il y, y a un mix de d'un blue bougien un peu bizarre. Je n'ai absolument rien à en tirer. Mais ça c'est un autre débat. Je n'ai absolument rien à en tirer. J'en ai rien à foutre de ce type d'exposition. Alhamdulillah. D'ailleurs c'est amdulillah ou amdulilah Il y, y a une syllabe qui a sauté. J'en ai pas besoin. Ce toute langueur va même à l'encontre de mon éthique habituelle. Je vais m'attirer la pire lumière possible et sûrement la haine de plein d'entre vous. La haine d'une communauté n'est pas si facile à gérer. On te juge sur des mots, des actions à l'encontre d'une personne que vous suivez quotidiennement sans vraiment faire la balance du poids des mots à l'encontre de celui qui prend la parole. Alors, vu l'intro de ouf Guedin qui nous sort façon Netflix, euh, <coughs> j'en profite. Je suis d'accord avec lui, ça fait deux jours que le hashtag psychedelique le est en top tendance. Il y a même un article de Combini maintenant. Et pour ceux qui n'ont rien suivi, je vous invite à regarder la vidéo qui explique l'origine. Et du coup, bah, ce que je veux dire par là, c'est que oui, des gens qui vont aller t'insulter, qui vont aller te diffamer, te calomnier sur la base de rien avec zéro preuve, je suis en plein dedans. Je suis vraiment en plein dedans depuis deux jours. J'en étais où? Blablabla. Bla, bla, bla. Je n'ai absolument rien à en tirer, j'en ai rien à foutre de ce type d'exposition. Je l'ai déjà lu, je l'ai déjà lu, je l'ai déjà lu, j'ai déjà lu. J'ai des principes et des valeurs que je place au-dessus de tout. Ça vient de ma mère, ma famille, ma religion. Tu mets Pas rien, je découvre le toute langueur en direct, donc vous avez mon, mon avis à chaud. Trop de circonvolutions, trop de tournage autour du pot, trop de justification. <laughs> Tape dans le fond, on n'est pas ta mère, t'inquiète pas. Fonce Ma religion est quand je pense que quelque chose est injuste, j'ai toujours agi. Voilà. Que je ne dis pas ça pour attendrir vos cœurs ou manipuler vos pensées. Faut simplement que vous le compreniez, parce que certes, il y a des gens qui me connaissent, mais pour d'autres, je serai un total inconnu et il faut le comprendre et il faut le prendre en compte. Le truc, c'est que j'ai vu la réaction de Kameto à ça. Il était dans tous ses états et c'est pour ça qu'il faut absolument lire ce Toute Langueur pour comprendre après la réaction de Kameto. Je vais pas aller dans les détails de l'affaire, c'est pas à moi de le faire. Je vais vous raconter mon côté, on dirait une blague au bout d'un moment. On va pas passer par quatre chemins, il faut arrêter de tourner autour de peau, je te le dis en face à face, il faut arrêter de perdre du temps. Tu le truc, lâche le morceau. Je vais vous raconter mon côté, je donnerai mon opinion à la fin. J'ai été stoppé à maintes reprises de parler. Je l'aurais fait dans les premiers mois qui a suivi l'affaire, mais il y avait tout un travail d'avocat en discussion, et au-delà de ça, la situation dépassait largement les compétences de Shanky, de la k et moi-même. Je le voyais en tant que spectateur, mais même ça. Je vais m'expliquer. Passons à mon histoire. Ouh, ça commence. On attend ceux qui reviennent des toilettes. Ils sont en train de courir, en train de refermer leur braguette. Passons à mon histoire. Je vois le tweet de la K-Corp la... sur le départ, de Shanky. Quelle est ma réaction Voilà, qu'est-ce que j'ai fait J'envoie un message à qui Pour résumer, Shanky est l'un de mes meilleurs amis. Bah si c'est ton meilleur ami, cherche pas, tu envoies un message d'abord à lui. C'est grâce à lui que j'ai eu mon premier taf sur Paris. <laughs> c'est lui qui m'a donné cette occasion et à qui je dois beaucoup. J'ai pu faire énormément ensuite, et halamdoula, j'ai moi-même recruté des dizaines de personnes par la suite. J'ai pu lancer le projet Esprit Shonen, grâce à la liberté que ça a créée, etc. C'est etc. pas une information utile pour vous, elle l'est pour que vous compreniez ma relation avec Ryan et la place de Kamel dans mon estime. Parce que malgré tout ce que je viens de dire sur Ryan, j'ai envoyé un message à qui en premier, quelques minutes après le tweet Je l'ai envoyé à Kamel, dans le dos de Shanky, parce que j'ai estimé que si mon frère Kamel <coughs> avait, pris <coughs> avait pris cette décision avec son équipe, cette décision devait avoir lieu de manière impérative. C'est qu'il de, ce qu devait se tramer quelque chose de très grave au point d'en arriver là. J'étais au Taikai, un tournoi Smash, anciennement Dojo. J'ai Dragon Quest du tournoi. Disqualifié peut-être. Après avoir contacté Kamel directement, et Kamel m'a pris un Uber d'urgence pour que l'on discute immédiatement de la situation de vive voix au local de Prime. Tu sais, on peut faire un, un Teams en visio, ça marche aussi. Voilà, j'ai pris. J'ai presque les larmes aux yeux en écrivant parce que vous ne pouvez pas comprendre tant que vous ne l'avez pas vécu. C'était les 35 minutes les plus longues de toute ma vie en transport. Si j'ai passé 35 minutes avec pantoufles. Que des... Que des questions et des scénarios de fous à imaginer. Ils vont me dire quoi Qu'est-ce qu'il a fait sa mère Comment je vais devoir le gérer quand euh, moi je vais lui parler Je le frappe, on se bat. Je pensais qu'il y a des dingueries. Je connais tout de Ryan. Sa famille, ses proches. Moi, je savais l'ampleur que pouvait avoir cette information sur l'ensemble de la situation, selon sa gravité. J'arrive au local. Salam, salam. Je m'assois à Coteille, Souley, Prime, Kamel et moi. <laughs> Putain, on dirait un slam de grand corps malade. On discute rapidement, je dis frérot, je vais pas mentir, j'ai une boule au ventre de fou malade, dit cache, c'est viol, pédophile pointeur. Ça me rassure direct en disant que non. Puis ça me raconte vaguement une histoire de toilette avec une femme au KCX. Je trouve ça bizarre que pendant l'événement, Ryan possède, possède le temps de voir une femme, mais à part ça, tu sais quand Quand t'es comme ça, tu le trouves le temps. Euh, mais à part ça, je leur dis que c'est impossible qu'ils aient pris cette décision aussi hâtivement, avec un tweet aussi assassin. On en reparlera de ce tweet qui laisse place à l'imagination au sein de leur communauté avec seulement ça comme matière. Ils décident enfin de me parler sérieusement. Kamel prend la parole et dit à Ayoub On peut lui dire, et, et indique qu'il y a un groupe de femmes, plus de 10, contre Ryan. J'avoue ici, je suis choqué et je reprends mes esprits en disant très bien, mais ils disent quoi c est, c est, c est... En fait, ça me... vous savez pourquoi ça me fait rire, <rire> J'ai l'impression que le, 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 le témoignage, il est en sinusoïdal. Je m'explique. <laughs> On passe à des passages très littéraires, presque soutenus émotionnellement, tu vois, fleur bleue à des ⁇ voilà sa mère, c'est une pute, je vais le, tab je vais le tabasser <laughs> ⁇ C'est des montagnes russes. <laughs> c'est super rafraîchissant. Et en plus, tu l'image où tu as que lui, il est sur la chaise avec, Camel, avec Kamel, du coup, Ayou, qui tourne autour de lui en mode ⁇ mafieux, euh, GTA, RP qu -ce qu ⁇ Qu'est-ce qui se passe La réponse de côté, euh, je ne l'oublierai jamais. On n'a pas encore assez creusé, mais voilà. On n'a pas encore assez creusé. Et tout ça, c'est très important parce que, en fait, euh, même moi, en découvrant ce témoignage, je comprends la, la réaction de Kameto. Vous allez voir dans la réaction de Kameto plus tard. On n'a pas encore assez creusé. Quand je ressasse, la phrase de côté, euh, m'a trop choqué. Elle est trop inhumaine. Vous avez décidé de baiser la vie d'un être humain. Parce que oui, avec votre communauté et votre communication, et la manière dont vous avez tweet en laissant place à l'imagination, à toute la commu, sans jamais revenir sur les paroles à son égard, et plus encore. C'était tout sauf professionnel voilà. Je m'en suis trop voulu de pas avoir agi encore plus que je l'ai fait en allant les voir parce que c'était pas éthique et correct de faire ça. On n'a pas encore assez creusé. On pouvait lire des atrocités sous le tweet qui du coup ne concernaient pas les réelles raisons. Pédophile, pointeur, violeur, pourquoi ça n'a jamais été démenti Je m'en veux, veux trop de vous avoir laissé faire devant Dieu si l'affaire n'était pas entre deux personnes que j'estime du même niveau, et que j'ai été convaincu de l'histoire, euh, que l'histoire allait se régler avec les deux parties. J'aurais incendié tout le monde. Il ne méritait pas ça. Je suis le premier conscient, con, euh, conscient qu'entendre qu'un collaborateur a une plainte de plusieurs femmes à son encontre, c'est pas pro et carrément dangereux pour l'image de la structure. Je comprends du coup votre position et la décision que vous avez prise en l'écartant pour le bien du projet. Mais la manière dont vous l'avez fait était trop sale. Et je vais détailler. Shanky, Ryan, est celui qui a composé la totalité de l'équipe de la K-Corp en LFL. Devant Dieu, allez voir Saken, Targamas, Xmati. Synchrof et Adam, mais du coup il nous dit quoi Il nous demande de mourir pour aller demander à Dieu. Et puis en fait, c'est bon. Oui, mais là c'est trop tard, t'es mort. Du coup, tu. <laughs> Qui voulait partir à cause du souci en div 2 Allez leur parler un à un et dites-leur qu'il est allé euh, les draft seul. Je sais tout, j'ai vu ça et on en a discuté. J'ai tout en tête. J'ai rien compris à ce paragraphe. J'étais là, j'ai assisté à tout en tant que spectateur. Personne me dribbler maintenant que le temps est passé. Vous pouvez faire comme si ça n'avait jamais existé en effaçant tout simplement toute trace de Shanky dans le club, mais la vérité c'est ça. Vous pouvez faire le nombre d'interviews que vous voulez en disant que vous avez travaillé blablabla bla 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 pour l'équipe blabla, mais stop, la vérité c'est ça. Il a composé l'équipe qui fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui et même si vous avez toujours été très populaire même en D2, mais vous n'aviez jamais rien gagné. Vous avez eu le spot LFL grâce à une faute de budget d'une équipe qui ne pouvait pas monter. Vous l'avez juste acheté et Dieu fait bien les choses. C'est moi qui vous ai présenté Ryan. C'est moi qui ai créé la connexion entre vous. Et de ce fait, je considère avoir une part de responsabilité. Et c'est la raison pour laquelle j'aurais dû parler. J'aurais dû parler. Tout allait bien. Vous dominez la compétition. Il vous apporte même son contact Xavier Oswald. Oh putain, un prénom français! Pour le côté business, personnel, op euh, personnel opinion, personal opinion, je te le dis ici, comme je pourrais te le dire en face, tu as eu ton occasion, chez la cassée, par Shanky et quand il t'a demandé un renseignement suite à l'affaire par massage, message, j'ai lu ta réponse. Tu peux faire ça, tu peux faire l'ancien avec l'équipe et comment t'es perçu, mais lis bien, t'as aucune morale et principe, business, pas business. C'est moi qui te le dis et personne d'autre. Bref, les faits accomplis sans là et votre synergie au sein de la structure bat de l'aile. Pourquoi ne pas lui avoir donné le bon doute Le bon doute. Vous n'avez aucune preuve de ce qui est avancé vu que j'ai attendu que Kamel me le donne pendant presque 5 mois. Il se relise, vous croyez <laughs> Mais pourquoi ne pas avoir géré les problèmes en interne Vous avez une avocate à votre disposition, je sais pas, euh, je vais pas citer son blase, mais du coup. Pourquoi ne pas avoir mis votre avocate pour la cause de Ryan après avoir reçu des plaintes et si l'affaire euh, révélait Ryan coupable Il aurait été puni, banni, sali, comme il l'aurait mérité, mais non, vous lui avez dit de se prendre un avocat de son côté, et dans le même après-midi vous avez tweeté son départ avec votre tweet assassin. Quand je vous ai posé la question, vous m'avez énoncé que c'était une, dé une décision commune et que vous n'y avez, avez pas pensé. Je veux bien le croire. Mais pour un gars qui a vous, qui a vous autant apporté. Ouais, c'est ça. Qui a vous autant apporté. C'est la raison pour laquelle j'ai dit ce que je pensais sur la D2. La draft de l'équipe, etc. Il ne méritait pas le bon doute. Ça veut dire quoi Il mérite le bon doute Qu'est-ce qu que ça veut dire Quelqu'un dans les commentaires peut m'aider là-dessus j'ai pas tout... J'ai beau habiter dans le 9-3, ça fait très longtemps que j'ai pas pratiqué ce langage. Je suis un peu, je suis un peu rouillé de ce côté-là. Que vous preniez ces patins contre les accusations, jusqu'à voir où ça mène. C'est quoi comme justice ça Mais comment j'ai fait pour me taire La première chose que vous est venue en tête, c'est de le tège. Même pas présomption du bon doute. Alors du coup, c'est innocence, le bon doute. On n'a pas encore assez creusé. Mais le tweet détermine quelque chose de grave sans jamais revenir dessus. Mais devant Dieu, comment j'ai pu me taire Et il s'en veut de cette terre. Je suis obligé en tant qu'homme de trouver ça bizarre. Pourquoi Parce qu'une femme, elle n'aurait pas trouvé ça bizarre C'était la même semaine où il devait signer ses parts chez Carmine Corp. Alors il y a aussi une histoire de parts de marché, de parts de société. Il devait apparemment récupérer aussi des parts de la société Carmine Corp. Il était en froid avec Cotet la semaine dernière, la semaine avant. Il avait essayé de le contacter pour régler leurs différends. Cotet n'a jamais répondu. Il a répondu de côté. C'était avant l'histoire et le KCX. Car celui-ci refusait qu'il en ait à la base et le seul qui était pour c'était Kamel. <tousse> <tousse> Après une grosse journée, c'est compliqué. Car celui-ci refusait qu'il en ait à la base et le seul qui était pour c'était Kamel. Attends, je vais enlever mes chaussettes, parce que là, c'est trop chaud. Peut-être que je comprendrai mieux. <laughs> ouais, faut que je les enlève. Donc, je leur lis. Hein. Si vous êtes grammaire nazi, si vous êtes prof de français, ouvrez vos esgourdes, on est dans de l'ASMR. Car celui-ci refusait qu'il en ait à la base, et le seul qui était pour, c'était Kamel. Chose que Ryan avait demandé à Kamel dès qu'il a rejoint le projet, et ça, il y avait, il avait été promis quand Côté lui a avoué qu'il voulait pas. Il l'a mal pris, et ça peut se comprendre, mais au sève de tout ça. Je vais pas commencer à m'inventer des théories du complot farfelu, mais dites-moi si je mens sur le timing. C'est simplement le hasard. Allez, le bon doute, donc ça c'est l'innocence. Moi je vous le donne, c'est carré, mais une chose, dites jamais que je mens, j'insinue rien, c'est juste ce qu'il s'est passé, et quand ça s'est passé. Je dois en être à la moitié. Je vous le jure, je comprends toujours pas ce qui se passe. <laughs> C'est génial. Oh, comment on peut être aussi brouillon À la limite, faites des bullet points. Euh, des petits tirets. Ça, factuel. Tirer ça, 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 ça. C'est incompréhensible. Votre avocate a été 2-3 semaines en vacances suite à l'histoire du, du KSX. Laissant Ryan sans nouvelles et sans la possibilité de s'expliquer ou d'avancer sur l'affaire. Une affaire aussi urgente, et pourquoi il a besoin d'un avocat? Il peut pas s'exprimer tout seul avec un tweet langueur et basta? Une affaire aussi urgente où les premiers jours sont cruciaux de zinzin? <laughs> Imaginez, après le tweet assassin, la spéculation des gens sous chaque tweet, vu que Kamel a pour habitude de réagir au call-out des youtubers, streamers, etc. qui font de la D, les gens ont associé le départ de Shanky à ça, et qui veut et qui peut et qui peut et qui peut le renvouloir. vouloir personne. Par contre, être assailli d'un silence de trois semaines avec la certitude que l'équipe fait ça pour lui, parce qu'il ne peut pas s'imaginer que finalement au retour de l'avocate, un silence radio, les victimes refusent de porter plainte et l'histoire restera comme ça tout le long du processus. Rien n'attend de savoir de quoi il s'agit, la cassée est bloquée car les victimes refusent d'aller au procès... Mais il n'y a pas d'histoire alors, c'est bon, tout est fini Non Pourquoi il y a une histoire alors et à force d'attendre, la pression cumule chez la famille de Ryan. J'irai pas dans les détails. Il a finalement cédé, il a signé un accord où il prenait ce qui lui devait en argent, et si je me souviens bien, une clause qui l'empêche de communiquer sur la cassée. Ah, ça c'est très important. Retenez-le, ça, ça a fait euh, vriller une testicule à Kamel. À Kameto. Ça, c'est très important. Retenez-le pour, pour le terminage de Kamel. A vérifier, je ne suis plus en contact avec Ryan depuis un temps, je lui en veux aussi. Je m'expliquerai aussi. Maintenant, sincèrement, je me libère du poids, c'est tout. J'en ai un peu rien à foutre d'en parler, je suis pas dans un état où je veux savoir si c'est bien ou pas bien ce que je fais. Vous pouvez pas savoir comment je m'en veux de ne pas avoir mis le feu quand l'histoire était d'actualité. J'ai DM des personnes, que j'ai senti concerner des filles, des garçons, je vous jure devant Dieu que la majorité. Je pense que Dieu il s'en fout de cette histoire. Que la majorité le, il va être là, couilles, frère que la majorité des réponses que j'ai reçues ressemblaient à ah mais j'en sais rien mais ils font pas ça pour rien je préfère protéger des potentielles victimes que des potentiels agresseurs ah mais j'avais entendu des trucs mais je sais plus d'où si c'est pas vrai force à lui absolument personne n'a pris la parole absolument personne ne l'a acculé de quoi que ce soit bah, si personne l'a acculé ça va bien non J'appelle toutes les victimes à citer les tweets en racontant, en disant ce qu'il s'est passé. Vous avez bien vu les tendances à punir ceux qui ont fait du mal. Je vous aiderai comme je l'ai toujours fait. Je suis pour le juste et la justice depuis le début. On parle de dix témoignages, mais aucune n'a décidé de prendre la parole. Y a rien. Il n'y a, a aucune parole. Il n'y a aucun trait de longueur, toute longueur. Il n'y en a pas une qui a lâché un. Il n'y a rien sur Twitter. Il n'y a rien. Ça serait bien qu'on ait un peu plus de contexte. Ça serait cool. <coughs> Ou alors elles vont en jugement. Enfin, elles portent plainte. Et du coup, elles ne veulent pas porter plainte non plus. Du coup. Pff, je veux bien croire que la première a peur. Allez, la deuxième. Mais que se passe-t-il pour le reste Je les ai traumatisés au point d'avoir euh, euh, peur à ce point-là. Mais dans ce cas-là, il faut l'enfermer au plus vite, non Il vit sa vie en ayant la possibilité de recommencer. Et ça vous va, parce qu'il a perdu son job et son image sur internet. Bah du coup, il peut plus recommencer. C'est super bizarre comme pensée et hyper égoïste aussi pour les potentielles victimes. Qu'il va faire si vous ne témoignez pas, non Vous ne voulez pas d'exposition sur les réseaux sociaux, tout le monde peut le comprendre. Vous avez peur, on comprend aussi. Mais pourquoi pas porter plainte de manière privée et gérer ça comme tout le monde devrait le faire sur ce réseau Faut aller au tribunal. Les gens font des études pour, les droits, pour le droit sur des années et des années, mais on décide qui est puni ou non sur une tendance X sans aucune preuve. Les Twitter. Absolument personne n'a parlé de Shanky à part la casser avec un tweet biaisé et des gens qui tentent de surfer sur la vague en disant qu'ils savent X ou Y rien que pour les fans. Ce qu'il aimait et même sa propre personne pour qu'il puisse se défendre s'il se trouve que c'est faux. Il faut déclarer ce qu'il s'est passé après une discussion parce que si demain un groupe décide d'éteindre une personne avec un mensonge commun, eh bah, c'est ce qu'il se passera si vous laissez ce type d'action se passer. Hashtag euh, le harceleur. Vous auriez pu creuser, vous auriez pu déclarer de quoi il s'agissait, et laisser Ryan se défendre vraiment sur l'affaire comme vous l'avez voulu euh, vu votre avocate n'a pas pris son parti. Et j'aimerais trop savoir pourquoi d'ailleurs. Bah pareil, elle a dû se dire, Ouh, gros, laissez-le se démerder. Ah, ok. <laughs> comme on n'est pas au courant, on peut pas savoir, on peut que supputer. Mais vous avez étouffé ça avec un silence sur des mois et des mois, et vous n'avez rien fait, vous l'avez tué. Donc, ça dure depuis des mois. J'ai vu sa famille se déchirer. J'ai vraiment les larmes aux yeux en écrivant. J'ai vu l'homme sombrer. Et voilà, j'arrive déjà à voir les cités. C'est mérité. Blablabla. Bla bla. Je vous en supplie, retenez-vous. Personne ne sait de quoi il s'agit. Moi inclus. Et je m'excuserai si tout ça s'avère vrai. Mais pourquoi ce silence Là, je le rejoins là-dessus euh, totalement. Hein. Pff, que les potentielles victimes ne parlent pas. Que Shanky parle pas. Mais au bout d'un moment que quelqu'un parle, quelqu'un dise, enfin au moins qu'on contextualise. Parce que si c'est un drama aussi ridicule que Léon et euh, Amanae, par contre il y a des vrais bails. Le silence que vous lui infligez est inhumain. Vous avez dit à toute l'équipe de ne plus communiquer avec lui sans rien dire. Pareil pour le staff, vous avez mis son blaze en banword sur les streams et vous, communiquez, et vous communiquez de lui en disant le S-word. Eh, <laughs> hey, t'as vu S, ce qu'il a fait Alors moi aussi j'ai le P-word, t'as vu il y a P... <laughs> c'est une dinguerie sans nom. Vous l'avez ignoré sur des mois et des mois quand lui n'a pas cessé d'harceler votre avocate qui, c'est pas, pas le bon terme à utiliser... Euh... <laughs> Qui lui a dit qu'il n'y avait tout simplement aucune plainte, donc qu'il ne pouvait pas se défendre Bah si, il fait un tweet longueur où il s'explique. Déjà, ça fait une, un bon début de défense. Et là, du coup, Talenin fait mmm, il a menti parce qu'en fait, il s'est passé ça et ça désamorce la situation, plutôt que d'avoir une chape de plomb où tout le monde se tait pendant des mois. <laughs> et après, t'as une méga explosion. Et qu'en gros, la situation ne pouvait pas avancer. Vous avez tous arrêté de lui répondre et vous l'avez laissé sombrer dans le désastre des réseaux jusqu'à ce qu'il finisse enfin par se taire. Jusqu'à... Euh, jusqu'à vous l'avez appelé le S-Word. Comme à l'époque du H-Word. C'était qui le H-Word Je le connais pas. Jamais... J'aimais déjà pas cette tendance à l'époque. Je baise la cancel culture. Elle n'existe pas dans les valeurs que je prône. On est musulmans. Des péchés, il y en a. Et il y en aura malheureusement, nous sommes humains. Dites les noms, on punit ceux qui le méritent, on pardonne si Dieu nous en donne la force et on met de côté les gens qui ne nous correspondent pas. Oui, c'est LGBT quoi. Les punitions existent à tous les niveaux et ignorer littéralement l'existence d'un être humain est inhumain. Et moi j'ai été en première loge de ça. J'ai trop été une salope. Et je m'en veux trop pour plusieurs raisons. Quand tu rentres dans mon cercle. Quel cercle T'as plus besoin de réfléchir à ce que tu peux me demander ou non. C'est dur d'y rentrer. Mais une fois dedans, t'es dedans. <laughs> Ah oh, j'ai mal Ah oh, j'ai beau matinale J'ai mal mal. Oh c'est la fatigue, c'est la fatigue du gros taf. Putain que j'adore ce genre d'histoire. Oh. Est-ce que j'ai le courage de la relire ou pas oh. Je tente de la relire. <laughs> Sérieux, j'ai trop été une salope et je m'en voudrais trop pour plusieurs raisons. Quand tu rentres dans mon cercle, t'as plus besoin de réfléchir à ce que tu peux me demander ou oh non. C'est dur d'y rentrer, mais une fois dedans, t'es dedans. Kamel, je vais pas commencer à détailler ma relation avec, mais on a commencé ensemble, on a grandi ensemble dans le milieu et c'est mon premier frère avec la avant la totalité du monde rencontré sur les jeux et les réseaux. Ils sont allés à Brockback Mountain ou quoi À la différence de certains... Je fais pas semblant. Quand j'apprécie quelqu'un, je suis à 100%. Putain, j'ai les larmes aux yeux. C'est aussi les raisons pour lesquelles ce tweet langueur a tardé. J'ai cru en lui sur les débuts et ça m'a mis dans une situation où je mentais constamment à Ryan. J'ai tellement essayé de faire avancer l'affaire solo dans ma voix... En écoutant ce qu'il me disait, que ce soit sur Discord des promesses, au premier five d'Amine, des promesses, on appelle des promesses, mais rien, jusqu'à ce que je sois fatigué de le relancer. Il m'a dit à de maintes reprises qu'il m'apporterait les preuves de son avocate pour que je puisse gérer le cas de Ryan. Et devant Dieu, que si ça s'avérait véridique, j'aurais fait les choses bien. Mais non, encore une fois, silence, fuite et on oublie. J'ai attendu tellement longtemps que j'ai abandonné. Ça me pesait trop et c'est ça la vérité. Je savais pas croi euh, croir quoi croire, qui croire, que faire. Chaque fois, j'ai cru qu'on allait m'apporter la lumière à gauche, à droite. Toujours, euh, ça a été démenti. Revenons sur l'histoire des toilettes qu'on m'avait dit. La concernée a été démentie et s'est excusée auprès de Ryan. Oh, du coup, il n'en reste plus que neuf. Mais ça n'a rien changé car bien évidemment, les plus dix autres plaintes étaient encore là. Quand même, voilà, au fond, je suis blessé. T'es le premier que je suis allé voir quand l'histoire a éclaté, je t'ai placé au-dessus de tout parce que j'ai cru en toi et ta décision, même si au final, je la controverse parce qu'elle n'a aucun sens dans ma position. Je suis resté dans le silence que parce que c'était toi, voilà devant Dieu, que si c'était pas la casser, et toi en qui j'y croyais, et avec qui j'avais tant d'années en commun, même de loin. Pff, c est, c est, c est... Je vais finir par saigner du nez avec ce genre de, de construction de phrase Pff. J'en aurais eu rien à foutre de ce euh, de qui c'est en face si je trouve un délire injuste. Je l'ai déjà fait, je le ferai tout le temps quand toute la terre était contre Sardoche À une époque, j'avais agi parce que son harcèlement me semblait injuste. Pour Blackoon, euh, dès que les faits se sont avérés vrais, j'ai agi. Je suis allé lui parler. J'ai fait ce qui était à faire. Dès que c'est proche de moi. Euh, et je peux dès que c'est proche de moi et que je peux faire quelque chose, je l'ai toujours fait. Mais là j'ai rien fait parce que j'ai cru en toi pour qu'au final quoi? Pour qu'au final j'apprenne quoi Par un frérot de leur groupe Kamel aurait dit bah enregistré la conversation avec son téléphone quand il est venu au local de prime. Voilà devant Dieu, c'est la phrase la plus blessante de toute l'histoire pour moi. Je suis sûr tu as vécu des phrases un peu plus blessantes. Comment t'as pu dire ça de moi? J'ai enregistré une conversation moi, Comment t'as pu mentir sur ma personne, salir mon nom, mon image, mon éthique en disant ça? T'as lancé une rumeur à mon sujet qui n'est même pas vraie, sans pitié sur du vent. Je peux même pas demander pourquoi t'as dit ça, ou comment t'as imaginé ça de moi, carrément. C'est un truc de fou. Vous vous rendez compte à quel point cette phrase, elle m'a blessé. Mais vas-y, ça devient, mais vas-y, ça devient trop personnel. Nique sa mère, j'avais besoin de l'écrire, c'est tout. J'ai trop la haine contre toi. Pour celle-ci, j'oublierai jamais. Et là, quand il sera devant Dieu, il va faire « Eh gros, t'abuses !»« T'as pas oublié de niquer sa mère non plus !»« Quand tu cherchais une solution pour avoir un PC pour pouvoir stream à l'ancienne taxiphone... »« pain pain rond en poche, j'étais là. Déménagement d'urgence, j'étais là. » On dirait vraiment une engueulade de couple. On est vraiment dans une engueulade de couple. Il ressort tous les dossiers. « Déménagement d'urgence, j'étais là. » Quand t'étais pas bien émotionnellement pour X ou Y, j'étais là. Quand t'as voulu acheter ta petite robe verte, j'étais là. Pour la Bro House avec Aidal, j'étais là au départ et à la fin. Revenons pas sur cette histoire. Quand j'ai vu Côté dans un taf qui lui déplaisait à Liège, et toi dans une mini jupe, mini phase de dépression, à cause de tout ça, j'étais là. Je vous ai réconcilié. Et vous en êtes là aujourd'hui. Quand t'avais besoin de quelqu'un pour gérer ton roster, je. T'es présenté Ryan. Putain, ils ont une, un roster Tu sais, c'est des bagnoles décapotables. Ça a marché pour la LFL. <laughs> j'étais là, alhamdullah mais, ma, mais toi, de ma personne, tu as dit de moi que j'ai enregistré une conversation alors que j'étais placé premier dans cette histoire quand je suis venu te voir. Si n'importe qui disait ton nom en mauvais, je te défendrai Parce que c'est la personne que je suis. Je ne suis pas une tendance. Je suis pas une tendance Je suis mon instinct. Et t'étais une personne qui, pour moi, méritait ce traitement. J'ai même pas les mots devant Dieu. Qu'est-ce que je déteste écrire ce que je viens d'écrire parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai jamais fait pour briller ou qu'on me soit redevable. C'est pour ça que je te rebalance tous ces dossiers parce que je te l'ai jamais reproché, mais je le gardais au cas où. « Je respecte les gens, me respecte en retour, mais toi, tu m'as pas respecté. Pas grave si je perds les bonnes actions faites à ton égard en les exposant. Je suis qu'un être humain. J'effacerai pas même si j'ai si envie et que ça devient en soi personnel. » Revenons sur l'histoire. « Quand l'histoire a éclaté, tout le monde a commencé à avoir des infos comme d'hab. Même pattern que chaque histoire qui éclate. Je le sens pas, lui. Ah bah enfin, c'était pas trop tôt. Il y avait même une meuf qui avait fait mine, c'est pas trop tôt. Ça m'a fait... ça m'a... ça... ça... Ça, mais quand ça l'a attrapé, ça a dit Mais non, c'était pas moi. Je le connais pas, Shanky. Encore plus sérieusement, j'ai pas aimé le passage de Gotaga qui parle de Shanky chez Vitality. Je les tag et je lui ai demandé d'éclaircir nos lanternes. D'éclairer nos lanternes à tous, mais encore une fois, sans réponse. Tout le monde a fait. Advance Warfare Non. Attention War Tout le monde euh, sait tout, mais personne dit rien. D'ailleurs, c'est drôle, ça aussi, parlons-en. C'est quoi Ah oui il interpelle Gotaga. Je parle de ça. Ah je l'ai pas vu ça, attends, c'est quoi Si euh, non, Carmine. What? Non, mais, euh... Euh, Pour quelle raison bah, vu qu'ils n'ont pas trop communiqué je pense que c'est les mêmes que celles que de Vitality. Et disons que c'est des trucs externes aux jeux vidéo. Ah oui, d'accord, Gotaga, euh, il doit être au courant, ou il pense, que... enfin, il fait la relation entre euh, l'éviction de Shanky à la K-Corp et l'éviction de Shanky chez Vitality, euh, que c'est la même affaire en fait. Que c'est à cause des mêmes euh, accusations. Ok. Vitality, d'après Gotaga, aurait viré Shanky pour des raisons extra e-sport, c'est ça. Vous avez laissé un potentiel agresseur en liberté et rejoindre un autre projet qui la K-Corp en connaissance de cause et en déclarant rien du tout. Vous avez vraiment fait ça Parce que va falloir qu'on en parle aussi, si c'est le cas. C'est très, très grave, et un jour Gotaga devra s'expliquer sur la prise de parole. Parlez concrètement ou ferme ta bouche. Je te manque pas de respect, je pense vraiment. Ce que tu dis renvoie un message à ta commu, sur une personne, que je, qui je pense, tu ne connais même pas. T'es pas n'importe qui, et, et ce que t'as dit là, c'est répréhensible, surtout si c'est faux. Pff. Ouais mais si c'est vrai Du coup, oui, on est d'accord avec toi. Faut que Gotaga dise, ouais, mais c'est vrai. C'est la même histoire. Et là, tu dis, ok. <coughs> Pensez-vous vraiment que si je défendrais quelqu'un qui est coupable, si j'avais les informations, personne ne les a. Jusqu'à j'ai tag Gotaga, tweet sur Camel, tweet langueur sur Camel et son groupe. Je suis un homme des dramas, moi. J'ai tout à y perdre. Être ennemi de gens influents, ça me met dans des positions qui ne sont pas business friendly. Je connais, je, 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 je connais un peu. Je connais aussi un peu. Et les gens tendent à s'écarter parce qu'on préfère être dans le camp du plus fort ou qui peut apporter le plus. Mais je vis pas pour ça. J'aime quand les choses sont justes, d'autant plus que ça concerne l'un de mes frères. Je sais pas depuis quand les chiffres donnent de la valeur à un homme, mais ça n'a jamais été le cas pour moi, et ça le sera jamais. Bref, j'ai compris que depuis ce moment-là, j'ai fait, pour... fait que prôner des principes que j'ai toujours suivis, et encore une fois, je ne vis... Euh, que pour ça. Mais cette fois-ci, j'ai failli à ma tâche. Mais je vais me reprendre maintenant. L'histoire est derrière moi. Aujourd'hui, les victimes n'ont jamais témoigné et n'ont jamais comparu. Tout ce que je sais, c'est qu'un groupe de meufs sur Discord a décidé de faire tomber, sont tombés, sur Shanky. À tort ou à raison, on n'en sait toujours rien. GDM, l'une des membres que je connais, elle ne m'a jamais répondu. Je sais pas si un jour, on aura le fin mot de l'histoire. J'ai vraiment tout essayé. Je vous demanderai juste une chose. Si vous sentez, si vous, vous sentez blessé par ce que j'ai écrit, insultez-moi. Faites ce que vous voulez. Évitez juste les mamans, Inch'Allah. Pourquoi toi on pas le droit à la tienne et t'as niqué des mères juste au-dessus euh, Toi t'as le droit. Eh, ça marche dans les deux sens, hein. Wallah devant Dieu, ça marche dans les deux sens, hein. Ça marche dans les deux sens. Il faut que ça soit équilibré, le combat. Mmh. J'y tiens. Le reste, j'ai les épaules. Hamdoulillah. J'ai jamais menti. J'ai jamais été du mauvais côté. J'ai toujours été qui je suis et c'est ma manière de faire ardoise blanche. J'ai toujours été et resterai vrai. Je suis déçu finalement de ma personne, de m'être écrasé et de revenir sur le sujet un an après l'histoire. Ah putain, mais ça, ça date d'un an cette histoire. Oh la vache. <laughs> je cherche aucune lumière à Je suis plus discret que les autres. C'est ma personnalité. J'annonce pas mes projets. Mes collections, mes victoires et mes défaites, je suis... C'est une, une chanson ça Je suis soutenu par une partie que j'aime, mais récemment, tous les messages, tu m'inspires, merci pour tes tweets. Je voyais tout en gris, comme si j'étais un hypocrite parce qu'à un moment donné, j'ai pas suivi ma ligne de conduite. J'ai pas été sinusoïdal. « J'ai pas été moi-même à 100% et j'étais rongé de l'intérieur d'avoir l'impression d'être vu comme l'ami d'un méchant et l'ennemi d'un autre qui ne m'a défendu ou même soutenu sur cette histoire. J'ai attendu sur les gens, chose que je n'ai jamais faite avant et que je ne ferai plus à l'avenir. J'ai toujours été qui je suis, je suis né et je mourrai comme ça. » Tu mets beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir sur trop de choses que de manière immuable. Je sais pas t'as quel âge, sauf que si t'as 65 ans, tu dis « Bon, bah peut-être que je vais arrêter de changer. » J'ai toujours été qui je suis, je suis né, je mourrai comme ça. Je parle plus depuis X temps à tous ceux qui se rapprochent de la K-Corp et je mute des comptes et des comptes jusqu'à j'ai arrêté de suivre la compétition LOL alors que j'aimais ça. Mais je vais reprendre tout ça. Je suis juste un fou d'avoir été faible à ce niveau. Maintenant, je vais tourner la page et si ce tweet longer débloque quelque chose au niveau de cette affaire, je serai content. Mais j'y crois moyen. Je m'excuse carrément à des gens proches euh, que j'ai en commun avec Kamel que j'ai mis de côté. Qui remonte. Simplement parce que j'ai pensé qu'on me voyait comme un ennemi du côté de Chanky. Vous n'êtes pas des leaders et encore moins des hommes. C'est pas quelque chose que tout le monde peut faire, mais j'ai l'impression que vous êtes persuadé de l'être, donc moi je vous le dis. Mais quoi alors, c'est des noms binaires? J ai, j ai... Ah Il me manque beaucoup de choses dans le contexte. Hein. Et beaucoup de références. Et dans le cas où vous aviez vraiment des preuves tangibles et irréfutables, je trouve ça super grave de ne pas l'avoir donné pour qu'il puisse se défendre au lieu de faire un silence radio en attendant qu'il parle sur les réseaux sociaux pour potentiellement l'éteindre comme si c'était votre ennemi alors qu'il a... qu vous a beaucoup apporté. Voilà, je comprendrai sûrement jamais. Et s'il y a vraiment quelque chose, c'est comme si tu m'avais abandonné avec quelqu'un de mauvais à mes côtés. Et ça, comment t'as pu m'appeler frère Maintenant, Ryan, je lui, en ai je lui ai mis énormément de pression pour qu'il parle les premiers jours, mais il était persuadé que ça allait se régler en prenant de son côté une avocate qu'il ferait face à celle de la Carmine Corp. <coughs> qui représentait les filles, mais finalement, il n'y a jamais eu de plainte de l'autre côté. Donc il n'y avait rien à défendre, vu qu'il n'y avait pas de plainte. Je l'ai trop poussé à parler. Il m'a demandé quelquefois de faire un live avec lui et je refusais de m'exposer. Plus... <coughs> plus que ce que je l'avais fait surtout que je parlais avec Kamel à ce moment-là. Et... <laughs> pour être honnête, j'avais peur qu'il soit coupable. Donc tu avais peur que ton copain soit coupable sans aucune preuve et tu nous chies 8 pages pour dire que jamais de la vie si c'est faux le bordel de merde bordel de merde. Et aussi tu étais dans les petits papiers de Kamel. Te brouiller avec Kamel ou te brouiller avec un potentiel pestiféré. Alors je fais pas ça pour le <laughs> pour ceux qui ont la ref, mais c'est <coughs> totalement fortuit, totalement fortuit. <coughs> mais encore une fois, euh... encore une fois, évidemment, c'est très 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 facile de jouer un peu les acerbes et de faire l'inspecteur des travaux finis quand es dans cette merde-là. Personne ne sait comment il réagira, personne. <coughs> <coughs> voilà, j'ai honte de fou de juste pas avoir parlé de mon côté. Il y avait chaque fois quelque chose. J'ai entendu Vita. Maintenant, il, parle, il joue de quoi Ryan a même entendu Riot. Il est allé par deux fois et il n'avait rien à lui signaler. Pourquoi personne parle parle bah, 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 Va voir Ryan et faites-le ce putain de live pourquoi tout le monde est hyper lent et laxiste sur le sujet <coughs> J'étais entre deux camps. Je mentais à Ryan. Depuis le début, je dis je mens, jamais. Et maintenant, je me décrédibilise ici. C'est trop grave. Voilà. C'est pour ça. Partez pas dans des délires sur devant Dieu, jamais de la vie, je ferai ça. Si en plus, c'est pour se contredire deux phrases plus loin. On a le droit D'avoir des doutes De pas être sûr de soi de Faire des erreurs On a le droit. <coughs> Tes couilles vont pas se détacher, t'inquiète pas. C'est pas plug and play. J'en euh, ai tout. J'attendais sur Kamel et du coup j'ai commencé à ignorer Shanky. C'était plus paisible sans lui, simplement. Et on a eu une discussion qui m'a vexé. Où il m'a dit quelque chose comme « Je peux comprendre que es peur. Tranquille, je vais gérer. » Comment ça j'ai peur J'ai eu trop les nerfs d'entendre ça moi je trouve ça sain. Je... Le mec te dit amicalement, je peux comprendre que tu as avoir peur. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Hein. Et un gars a dit, plusieurs fois hein, j'ai eu des MP de youtubeurs, et je garde leur anonymat, qui m'ont contacté en MP. Youtubeurs, influenceurs, euh, plein de choses. Qui me disent gros, euh, je te soutiens, mais je peux pas te soutenir publiquement parce que voilà, j'ai une communauté, sinon euh, moi je suis fini. Euh... Et moi je lui dis, mais il n'y a pas de souci. Merci que tu me le dises en privé, ça me fait extrêmement plaisir. T'inquiète pas, ça reste en privé. Et euh, évidemment, tu fais un taf admirable, tes vidéos sont géniales. Te prends pas la tête avec ça. Je veux, je veux pas que ça te pèse sur la conscience. Je te le dis là, si tu regardes tes vidéos, je te le dis, tu, tu te reconnaîtras. Je veux pas que ça te pèse sur la conscience. Il n'y a aucun problème. Et même souvent, je le dis, les gars, si vous m'aimez bien et que vous voyez des gens qui m'insultent ou quoi, vous en foutez, prenez pas position. Limite, si quelqu'un vous a un doute, posez-lui la question avant. T'es précis, psychodélique? Non, c'est un gros con. Ouais, t'as raison, c'est un gros con. T'as pris ce Ouais, il est bien. Ouais, ouais il est bien. <laughs> votre business et votre tranquillité, avant tout. Mais merci des messages en soutien. D'ailleurs, petit truc rapide j'ai reçu des centaines de MP. Je vous ai tous lu, mais vous vous rendez bien compte que je n'ai pas répondu. Si je devais répondre à une personne, je serais obligé de répondre à Plein de personnes. Pff, donc, je les ai lus. Beaucoup de MP de soutien, de remerciements, beaucoup de MP d'insultes aussi, hein. Pff, mais ça fait plaisir. Bref, revenons à nos moutons. Je l'ai incendié. J'ai tout fait pour lui. J'ai commis des actions, je l'ai harcelé pour qu'il tweet et il avait peur car en parallèle, il avait eu ce que Koro avait pris en essayant de le défendre. Moi, il me faut une série de Netflix pour que je comprenne mieux. De le défendre, donc vous allez tous dire Mais pourquoi il a pas tweet Pourquoi il a fait que du tease Mais voilà, quand tu vois l'ensemble de la situation et l'ensemble que vous avez la commu cassée, quand ça concerne l'équipe, Kamel, vous êtes irrationnel de zinzin. Exemple, Nagui, tu maintenant il y a même Nagui. Je, je t'utilise parce qu'on a parlé en DM, presque tu m'insultais en citant un tweet normal. Ça doit pas être le même, Nagui. À mon égard, et quand je t'ai DM en disant pourquoi tu fais l'ancien, on a trouvé. C'est une insulte ça On a trouvé un terrain d'entente, t'avais tes positions, j'avais les miennes, mais en soi, t'avais absolument rien à me reprocher, et t'es même pas un mauvais gars. Mais pour dire, vous êtes trop sanguin bêtement, même si votre comportement n'existe pas IRL, selon moi, vous l'avez quand même sur les réseaux sociaux et c'est nocif pour les concernés. Prenez du recul. À croire qu'on veut les mal, le mal des gens. Sincèrement, c'est bête d'être comme ça. Essayez d'avoir un comportement que vous auriez en face de la personne dans votre communication. Dernièrement, dernière chose, je vous demanderai un service. Koro Bizarre est très lié à moi et en parallèle, je lui ai présenté Shanky, avec qui il s'est beaucoup lié d'amitié sur, euh, sur des années et des années. Il a beaucoup apporté à Koro. Il a pu faire son rêve d'aller en LAN, composer une équipe la masticroue. <laughs> je valide le jeu de mots. Des occasions pro dont l'histoire l'a touché au même titre que si on touchait l'un de vos frères <laughs> ou l'une de vos sœurs. Oh bordel, relisez-vous! <laughs> Et quand on sent une injustice envers l'un de ses proches, on agit. En toute sincérité, vous pouvez le blâmer parce que c'était pas la meilleure manière de faire. Mais ma vérité, à moi seul, c'est que c'est lui qui a eu un comportement d'homme dans cette affaire. Ce qu'il a fait, j'aurais dû le faire en mieux que lui. Sans les tentes, sur l'équipe ou quoi que ce soit, j'aurais dû parler de Shanky bien avant et devant Dieu que Coro bizarre est l'un des meilleurs êtres humains que j'ai pu côtoyer sur le réseau. Tout ce qu'il a pris sur cette histoire n'était pas mérité. Sauf quand il ira devant Dieu, franchement, ramène nous du Prozac, parce qu'il va être comme ça. Et Kamel entre nous, comment t'as pu lui tourner le dos alors que tu savais pourquoi il faisait ça Il est comme moi. Si t'avais des informations que t'as jamais voulu partager, on les avait pas. Tu peux pas comprendre notre, notre position, mais tout ce que t'as aujourd'hui, tu lui dois en partie. C'est moi qui te le dis. Lui, il te dira jamais parce que euh, ce qu'il a, euh, qu a fait, aucune de ses actions dans ce sens-là m'était vraiment ingrat. Et je répète devant Dieu que personne n'est au courant j'écris ça, ni Ryan, ni Koro Bizarre, je pense qu'ils sont au courant maintenant, <laughs> ni personne. Mais comment tu n'as pas pu le défendre, même s'il a fauté, en blâmant ton équipe, en ayant des takes désastreuses. <laughs> Normalement, t'aurais dû le défendre en expliquant pourquoi toi, tu faisais ce que tu fais. Et peut-être qu'on aura compris. Mais encore une fois, t'es pas un homme pour moi. <laughs> C'est un chameau. qui s'appelle Kamel. Il a des dents, il y a un camel ton. Bref, message à Kamel et tout le groupe, faites ce que vous voulez, euh, ce que vous avez toujours fait quand il y a des problèmes, lisez bien mon message, enterrez et ignorez le message, c'est le pattern, dès qu'il y a un nuisible, on ignore, on ne confronte jamais les soucis, à chaque drama, on enterre, sans donner d'explication, Chiki, Eidal, Shanky, moi je ferai partie de ces gens-là, parce que je vous ai jamais rien fait, je vous ai apporté ce que j'ai pu et Alhamdoulilah si ça vous est profité que ça, que ça toi dans le stream. Si ça vous a profité que ça toi dans le stream. Ou l'équipe qui t'a été constituée par mon contact, maintenant c'est fini. Dès que t'as fini de lire, change de pépé. Et la mémé, on la change Je sais même pas comment tu peux avoir ma tête chaque jour en lançant ton stream. Je vous souhaite aucun mal, voilà j'ai jamais parlé dans votre dos, je laisse ces trucs là pour vous, j'ai jamais souhaité votre mal et je le ferai jamais. Tu viens pas de le faire de ligne au-dessus? J'ai la haine sur certaines choses et je l'exprime, mais j'ai le cœur pur et je crois en Dieu. Maintenant, c'est bon, j'arrivais. Encore un petit rototo. Maintenant, c'est bon, j'arrivais pas à faire ce que j'ai fait à fond parce que j'avais ça en tête et que. Que vous le compreniez ou pas, je suis sincère dans mon action. J'ai été pesé émotionnellement. et Je ne pensais pas que ça m'arriverait un jour. J'ai pas été irrationnel dans ce tweet longueur. Il y a des trucs sympas. Il y a des trucs moyens. Mais je pense que c'est ça dont j'avais besoin. C'est clair, tu avais besoin de te libérer. Je vais reprendre maintenant tout au fond. Dans, euh, maintenant, je vais reprendre maintenant tout à fond dans quelques jours. Pas grave si les streams ou les tweets sont pollués, dans un premier temps. J'ai confiance en mes gars comme d'hab. Alamdoula. je sais que je serai honnête à 300%, aligné avec moi-même. Ceux qui sont avec moi depuis le début, je m'excuse encore une fois pour ce manquement. On avance ensemble et Inchallah Kerr pour tout le monde. Il est breton d'un coup. <coughs> Désolé pour ça. Ouh, la vache, il a dit Dieu combien de fois là-dedans, bordel de merde 14 fois le mot Dieu, la vache. Yamdoula 9 fois d'ailleurs c'est rigolo vous avez vu dans Yamdoula il y a ham, ça, ça veut dire jambon en anglais <laughs> bref Ouh quelle histoire je lui ai dit que ça allait être long on regardera la réponse de Kameto dans une autre vidéo pour que ce soit plus digeste quoi qu'il en soit n'hésitez pas à donner votre avis n'hésitez pas à donner votre opinion n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à expliquer dans les commentaires si quelqu'un a compris parce que moi j'ai toujours rien compris abonnez-vous le like clocher et à bientôt pour d'autres aventures. Bye.